Cacophonique, divisé, sans direction, le jugement des électeurs de droite est sans appel. Même à Neuilly, ancien fief de Nicolas Sarkozy, le parti Les Républicains n'attire plus. C'est ahurissant. De toute façon, ils sont plus bons à rien. Alors, ils se disputent entre eux, c'est chacun pour soi. Ça fait penser au Titanic que je voyais ce matin à la télévision. Ils sont à tâtons, on ne les voit pas avancer envers quelque chose, ni une proposition, ni rien du tout. Il n'y a pas de personnalité charismatique suffisante. Depuis la défaite à la présidentielle, les Républicains se cherchent un chef. 6 candidats se disputent le poste de président qui sera choisi en décembre. Le favori Laurent Wauquiez incarne une droite dure qui tend la main aux électeurs du Front National. Il a son caractère fort et c'est peut-être en fait ce que les gens de droite ont envie de retrouver parce qu'on a subi que des compromis en fait. Il a un discours qui est clair, net et précis. Il faut entendre et écouter la parole des Français et pourquoi pas ouvrir la porte au Front National, pourquoi pas. Ses adversaires comme le jupéiste Maël de Calan craignent une dérive vers l'extrême droite. Sans aller jusqu'à menacer de quitter le parti, ses militants s'inquiètent. Si on réduit petit à petit, de toute façon, en 2022, les Républicains, c'est pas 20% qui feront, ça sera 10, voire moins. Et puis si ça continue encore petit à petit, le parti va totalement disparaître. Et j'ai peur qu'en fait ça devienne un parti très conservateur et très replié sur lui-même. Car Emmanuel Macron exerce sa puissance d'attraction. Les députés LR, dits les constructifs, vont bientôt être exclus pour leur proximité avec le pouvoir. S'y ajoutent les 4 ministres républicains au gouvernement. Enfin, la politique et le ton du président parlent à la droite. J'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour d'élection présidentielle et à l'heure actuelle, je ne le regrette pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui sont passés du côté d'Emmanuel Macron. Quand il parle du bordel et des feignants, je pense qu'il est à droite. Je suis très content de ces 3 ministres républicains au gouvernement et heureusement qu'ils y sont. Après la gauche, c'est la droite qui risque d'exploser avec les encouragements d'Emmanuel Macron.